toujours décomposé de trois temps. Matin, midi et le soir. Matin, c'est le moment que nous réveillons dans la cabane. C'est le moment après nous avons des activités que nous avons préparées pour nous sortir, ça qui pour le travail, ça qui pour l'université, l'école, tout ça. Ça qui pour le marché. Tout le monde, chaque monde va aller dans des différent. Et à midi, c'est le moment côté que nous plus focus sur le travail. Et en cas particulier, c'est le moment pour nous manger, pour nous plein corps physiquement. Et le soir, pour quelques monde, c'est le moment favori, oui. Parce que c'est le moment côté que vous allez reposer, vous allez coucher, dormir, tout ça. Mais en pile fois, bon Dieu m'a demandé pour nous faire une variation, pour nous changer. Parfois, bon Dieu exige au moment pour aller reposer, c'est là ça, pour entrer dans la prière avec. Mais il y a quelques secrets que nous devons partager par rapport à le matin, midi et à soir. Admettons que vous prenez le travail, ou du moins vous prenez l'école, quelque chose que vous prenez, mais vous devez arriver à l'heure. Vous devez arriver bien bonheur. Tout autant que vous sortez plus tard, vous pouvez plus tard. Mais si vous sortez bonheur, vous pouvez plus bonheur. Si vous sortez dans le côté que vous avez un embouteillage, une machine à monter des salles, chaque monde a pris l'activité par vous, et bien vous venez jouer des empêchements. Mais dans le cas où si vous déplacez à temps, ça veut dire si vous déplacez bien bonheur, côté que vous avez un embouteillage. Par exemple, quand vous montez des scènes, vous revenez tranquille et bien rapide. Il y a certaines personnes, là où vous levez le matin, vous commencez à vous faire peut-être qu'il y a un journal, qu'il y a la télévision, peut-être qu'il y a préparé pour le travail, qu'il y a préparé pour l'école, qu'il y a chaque monde a préparé pour pas besoin de parler. Il y a des gens peut-être levez le matin, vous commencez à faire, c'est mon téléphone. Gagner tout le matin, est-ce qu'il continue de dormir jusqu'à 10h, midi, etc. Mais est-ce qu'on connaît l'important et qu'il y a un secret dans la prière matinale, dans le lever pour prier le matin? Il y a un grand secret que en plein nous refusons. Regardez avec moi dans Psaume 119, verset 147, qui ça nous dit. Je devance l'aurore. Et j'écris, j'espère en tes promesses. Moi, Salmis, là, il dit, soleil pourquoi même lever. Soleil pourquoi même lever, qui ça fait? Il a fait plein de lits avec mon Dieu. Si nous avons une importance pour le matin, en plus, nous avons fait, nous avons prêté là-dedans. Il est vrai que le matin, il y a un qui est difficile pour lever bonheur, pour qui ça? Il y a un qui dit, c'est si le préfet faire un jour et laisse dormir un plus bon, ça ne peut pas qu'à lever. Nous connaissons ça. Et parfois, au lever, bien planifié pour prier, pour faire quelque chose, sans oublier à main, dormir tellement encore, vous obligez de regarder votre carbone encore. Mais, si que vous avez un objectif, vraiment, si que vous avez un bagage que vous voulez réaliser tout bon par la prière, on fait tout effort pour prier le matin. Pour que sa prière matinale est importante, non seulement, moment les plus favori, moment les plus, moment plus calme pour prier parce que l'après le matin, pas qui tient qu'à faire bruit dans tes tours, pas qui va et vient qu'à faire dans cas là, pas qui un qui trouble l'esprit. C'est moment qui plus calme, c'est moment côté que vous plus à l'aise pour parler avec bon Dieu. Mais en plein nous refusons à nous négliger ça. Au besoin en tant que servant bon Dieu, le serviteur bon Dieu, pour développer une habitude, lever pour nous la calme, pour capable prier bon Dieu. Il est bon tout physiquement pour apprendre à développer l'habitude pour lever pour nous. Parce que, une autre remarque que je fais, mon cap levé à 8h, 9h, 10h, 11h, midi dans la cabane, et je considère comme la pauvreté spirituelle. Lorsqu'il est 8h, 9h, 10h, tout le monde est occupé à l'activité, tout le monde a préparé une activité qui est bruit, voisinage, c'est ça.
ou pas disposer vraiment vrai. Parce que même on a étudié, toujours, a toujours un bagage qui distrait ou qui est plus chaud. Mais, les collègues besoin 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin, tout le bagage est calme. Pas de bruit, pas de monde qui a tourmenté ou pas de rien qui a distrait. Regardez dans Marc 1er verset 35. Marc 1er verset 35, qu'est-ce que ça dit? Dans le grand matin, bien bonnet, il n'y a pas encore fait clair. Jésus, levé, il est sorti, il a quitté la ville. Là. Il est allé à un côté qui n'a pas de monde. Là, il tape la prière. Ça, c'était le secret de Jésus. Voilà, même Jésus. Jésus, il est bien bonnet pour lui aller prier. Pour ça lever bonne conversation façon pour pas déranger et c'est là pour lui recevoir miracle prodige dans mes papa. Moi bon secret. Se lever en premier le matin avant même les jours avant même journée commencer. Là où déjà gon opportunité pour qu'à décaler pour sauver dans la journée. Et pour que tu arrives bien bonne avant se lever. Ou kaba jouni en yon, ou kaba jouni de gloire, jouni de richesse, de prospérité, jouni de bénédiction, jouni de guérison, jouni de célébration, jouni de joie, ou kaba jouni de pardon, ou kaba jouni de pardon, jouni de bonheur, jouni de miracle, jouni de prodige, quelqu'un sauve-le. Ou kaba fait n'importe déclaration, sous la vie ou bien sous la vie, n'importe monde que vous avez béni, sous petit ou madame ou mari ou quel soit monde.